Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu au second degré. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juin 2014. Et pour commencer, je vais vous parler de ma chaîne préférée, Énergie 12, qui va encore lancer une nouvelle télé-réalité en septembre. Une de plus. C'est vrai qu'on n'en a pas eu assez. Hein. Entre les anges de la télé-réalité, entre Dieux et Péristorante, les aventures de Nabila, qu'est-ce qu'on pouvait nous inventer d'autre, hein? Il y avait l'île des vérités aussi, et j'en passe. Et bien ça va s'intituler Friends Trip, qui sera le meilleur ami, où 4 équipes de 3 personnes vont partir ensemble à l'aventure en Californie, vivre dans des sublimes villas, faire des épreuves. Vas-y, ça devrait plutôt s'appeler Friends Trip, me restera-t-il un ami? Parce que, croyez-moi, si je peux vous donner un conseil, le meilleur moyen de rester ami le plus longtemps possible avec quelqu'un, c'est de surtout pas vivre avec la personne. Mais surtout pas. Donc, ce serait plutôt mieux. Moi, quand je vois des nouvelles télé-réalités qui arrivent, qui se créent comme ça, moi j'ai envie d'en créer aussi. Ça me donne de l'imagination dans cette petite tête toute folle-là. Et j'imagine une télé-réalité qui pourrait s'appeler « Qui sera mon meilleur amant ?»« Qui sera ma meilleure maîtresse ?» C'est vrai, ils partiront ensemble à l'aventure, dans des villas magnifiques, passeraient des grandes épreuves, et puis surtout, les épreuves... Ce serait de coucher les uns avec les autres. Tout le monde baisse tout le monde. Ce serait vraiment, vraiment la foire du trône, mais la foire de la baisse surtout. Hein. Et moi je dis, ce serait dans l'air du temps. Mais c'est vrai, ce serait dans l'air du temps. Bon, remarquez, de toute façon, tout le monde qui couche avec tout le monde, c'est un peu le concept de base de la télé-réalité. Ceci étant, là ce serait vraiment un concept à part entière. Énergie 12, je sens que ça peut les intéresser à mon avis. Hein. Allez, maintenant, vous allez dire que j'en parle vraiment tous les jours, mais ma faute, il y a une info sur elle. Loana, ah là là, ma brave Loana, elle a publié un selfie. Alors le selfie, vous savez, c'est quand on se prend en photo soi-même, hein, un petit peu. Et Loana en a publié un sur Facebook, elle a publié un selfie qui a fait beaucoup réagir. Faut dire que moi, quand j'ai vu le selfie, ça fait un peu peur, hein. Elle a pris un coup, Barbie, hein. Honnêtement, là, bon, j'ai pas envie d'être trop méchant aujourd'hui avec Loana. Alors, moi, j'ai choisi plutôt le tweet d'un internaute qui, lui, a été méchant. Là, c'est mieux. Je vous laisse les internautes être méchants à ma place. C'est un tweet de Greg qui a écrit « Le selfie de Loana, en tout cas, de Sange, fait du ton sur ton. » Alors, de Sange, hein, c'est la coiffure, grand, voilà. Visagiste, hein, il fait du ton sur ton. Voilà, c'est vraiment très, très méchant. Vraiment méchant pour le ton. Hein. Ta gueule, Mickaël. Ta gueule, Mickaël. Non, rajoute pas, mon Dieu. Arrête d'être méchant avec Loana, merde. C'est moi qui m'engueule moi-même, maintenant vous voyez où j'en suis quand même, de plus en plus fou. Allez, on se retrouve très très vite pour une autre chronique, l'actu au second degré, à très vite.